petite visite improvisée. J'ai vu sur le coin d'une route une petite chapelle. Il y a du monde. Du coup, je vous emmène avec moi sur cette visite spontanée, la chapelle d'El Dol. Donc on s'arrête, je ne sais pas du tout, et on va le découvrir ensemble. Alors, c'est une chapelle du XIIIe siècle. À chaque fois, j'adore ce type de chapelle. Elle appartient à la commune de Nérac. Et du coup, il y a une légende sur cette chapelle. Je vais vous en faire part. Je vous ferai part de la légende, je pense, durant la vidéo. Je vous épargne le fait de le lire. Et puis, on va aller visiter tout ça. Oh, je pense que ça risque d'être fermé. On va quand même tenter. Regardez-moi ça. Les petites trouvailles. Hello, vous. Très belle. On dirait presque des fées. Alors, je vous fais visiter que comme ça parce qu'elle est fermée. J'essaye de faire ce que je peux. Elle est très mignonne. Et on va essayer de faire le petit tour. C'est très délicat et pas évident. Une petite bottine, c'est pas évident.
Waouh. C'est beau. Et voilà. Alors voilà, une petite chapelle à côté d'une route. Donc vous m'excusez encore pour le bruit. En même temps, j'ai vraiment envie à travers mes vidéos de vous partager ce côté un peu spontané de mes actions, de ma vie. Donc si je peux vous embarquer avec moi, ne serait-ce qu'un court instant et apprécier ce moment de détente, eh bien j'ai tout gagné. En attendant, je te souhaite, à toi qui es en train de me regarder, plein de bienveillance avec toi-même, plein d'instants en fait où tu peux te nourrir, que ce soit ton cœur, ton âme, ton intellect, ta curiosité et ton corps. Prends soin de toi et je te dis à une prochaine capsule. J'ai ramené de la compagnie.
Elle est dans ma voiture. Et en plus, je la trouve sacrément design. La pauvre. Alors, je me suis arrêtée pour la relâcher, mais j'avais envie de vous la montrer, tout de noir vêtue, sortie avec un cheveu, forcément. Mais elle est trop mignonnette. Donc c'était le petit bonus de l'histoire de la chapelle du deuil, avec une petite sauterelle tout de noir vêtue. Original quand même.